des anti-CFA, il n'y a pas seulement qu'une jeune génération qui, au-delà du CFA, pose énormément, de la monnaie pose énormément d'autres problématiques par rapport à la gestion de nos ressources naturelles, par rapport à la gouvernance de nos États, etc., etc. Et il ne faut pas indexer ces jeunes pensant qu'ils ont été manipulés. Mais au-delà de ces jeunes, nous avons énormément d'universitaires qui ont pu, les Ndongo Sambatila, les Samir Amin, les docteurs Abdourahmane Diouf, ainsi de suite, et j'en passe, et j'en passe. Vous ne pouvez pas réduire tous ces gens-là à un groupe de personnes manipulées ou qui ne comprennent rien aux enjeux. Je pense qu'il faut poser le débat de manière beaucoup plus sereine, des deux côtés, et apprendre à s'écouter et à se comprendre. Par rapport à la thématique elle-même, du CFA à l'écho, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest? C'est un sujet très ouvert. On n'a pas dit la zone du Moura, on a dit Afrique de l'Ouest. Mais dans le développement, et c'est ça, c'était ça la crainte de beaucoup de participants qui ont finalement renoncé à y venir, c'est que c'était un habillage pour justement recentrer le débat autour du CFA, de l'éco-CFA, et de le faire passer comme lettre à la poste par rapport à l'éco-CEDEAO qui était en gestation. Alors, l'Afrique de l'Ouest, prise comme ensemble, renvoie à la CEDEAO. Si on dit l'Afrique de l'Ouest de manière simple, c'est la CEDEAO, ce n'est pas l'UEMOA. L'UEMOA est un sous-ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Mais le cadre qui regroupe en tout cas toutes les entités de l'Afrique de l'Ouest, je crois à l'exception peut-être de la Mauritanie, ce cadre-là, c'est la CEDEAO. Ce cadre recoupe des réalités monétaires et des options politiques de développement qui sont différentes. Il y a les pays qui ont en commun le CFA ECHO et qui sont au nombre de 8, je crois, et les autres qui ont chacun leur propre monnaie. Mais nous avons dit quelle politique, quelle monnaie pour quel développement. Si on prend l'échelle de la CEDEAO, la dynamique communautaire de la CEDEAO se fixe comme objectif d'atteindre une croissance économique inclusive. C'est ça qui est dit dans les documents. Et durable, qui produit un développement réel et tangible des populations ouest-africaines. C'est le même objectif d'ailleurs que l'UEMOA. La CEDEAO dégage pour cela en urgence un certain nombre de priorités. Celle de l'emploi, particulièrement des jeunes et des femmes, mais qu'elle compte atteindre par un certain nombre de leviers, parmi lesquels l'industrialisation, le retour la sphère publique dans la dimension de pilote de l'intérêt général, ainsi de suite, ainsi de suite. La deuxième urgence, c'est une croissance économique durable et inclusive. Inclusive, c'est extrêmement important. On parle souvent de croissance et on nous vend toujours la croissance des pays de la zone UEMOA, qui est une croissance assez soutenue et assez importante depuis plusieurs années, mais qui n'impacte pas fondamentalement sur la réduction de la pauvreté et la création d'emplois. Parce que ce n'est pas une croissance justement inclusive. Elle est une croissance extravertie qui ne permet pas de capter les fruits de cette croissance-là pour réduire la pauvreté, créer de l'emploi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a le développement des infrastructures qui est également un des objectifs prioritaires, infrastructures matérielles comme immatérielles. Il y a le développement de l'agriculture avec tout ce qu'on pense pouvoir faire, aussi bien pour l'agrobusiness que l'agriculture familiale. Et il y a enfin l'objectif d'une meilleure intégration régionale des pays de la CEDEAO. Et c'est en cela que la CEDEAO avait considéré que la monnaie, une monnaie régionale, devait pouvoir faciliter tout cela. Dans l'extrait du rapport d'ailleurs CFA ECHO, il est dit que la politique monétaire de la région doit être en phase avec la politique économique, qui est tout à fait normal. La politique économique de développement des pays et de la région dans son ensemble, l'adéquation de l'instrument monétaire à la finalité économique étant à la base du projet de création de l'ECHO. Ensuite, que l'éco-CEDEAO, qui est en douloureuse gestation malheureusement depuis les années 80 et qui n'a pas pu respecter les différentes échéances qui étaient fixées, et cet éco devrait faciliter les échanges commerciaux et financiers, réduire le coût des transactions financières entre des pays et renforcer la concurrence.
Et enfin, que l'ECO devait, à défaut de garantir une meilleure intégration régionale des pays de la CEDEAO, il devait au moins avoir un rôle moteur en facilitant un véritable fédéralisme budgétaire, les échanges commerciaux ainsi que la circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. C'est un vaste programme et un grand rôle qu'on envisage de faire jouer à l'éco-CEDEAO. Quelle que soit l'option retenue, que ce soit l'éco comme simple prolongement du franc CFA, ce qui semble être l'option de tous les panélistes, en tout cas des organisateurs de ce panel, pour des raisons que nous connaissons, que ce soit l'éco réel, l'éco Naira, l'autre version de l'éco, ou l'éco monnaie commune, mais pas unique, quelle que soit l'option retenue, la CEDEAO devrait être gérée par une banque centrale fédérale et fixée. La monnaie devait être fixée non pas à l'euro, mais à un panier de devises, euro, dollar, etc., etc. Alors, nous considérons que c'est un projet noble, c'est un projet ambitieux, corrélé à l'ambition politique que nous avons, nous, en tant que panafricanistes, mais surtout en tant que défenseurs ardents d'une fédération sous-régionale. Nous y croyons. D'ici 2090-2100, c'est un projet. C'est un projet noble, en tout cas, c'est ECO qu'ils nous proposent. Mais confronté à la réalité, c'est un projet vraisemblablement utopique. Pourquoi nous le disons? Nous considérons que le projet de la CEDEAO s'inspire du projet de la zone euro, totalement, alors que les réalités sont totalement différentes. Nous aurons énormément de problèmes et de difficultés à converger. D'ailleurs, toutes les échéances qui n'ont pu être respectées le montrent. Nous avons des pays que je ne citerai pas ici qui sont à un niveau d'inflation extrêmement important. D'autres sont à un niveau de déficit extrêmement important. Il est évident que nous allons avoir énormément de problèmes à atteindre les critères de convergence pour aller vers cet ECO. Sinon, il faudra s'attendre à ce que ces pays-là lancent des programmes d'austérité. C'est le cas de beaucoup de pays que je ne vais pas citer qui sont dans le texte. Ensuite, pour que ces pays-là descendent sous les 5% du taux d'inflation, ils vont devoir mettre en place eux aussi des politiques d'austérité qui vont certes diminuer l'inflation, mais qui vont augmenter leur dette publique. Est-ce que ces pays sont prêts pour ces sacrifices? Je ne crois pas, tout de suite et maintenant. La deuxième inquiétude, c'est que pour avoir une monnaie unique, il faut un taux d'échange important entre les pays de la même zone. Je crois que lorsque la zone euro se créait, les pays avaient un volume d'échange, un taux d'échange de 60% entre eux. Ici en Afrique, on a du mal à atteindre les 10%. L'échange intra-zone est extrêmement faible pour qu'on puisse aller valablement vers cela. Et enfin, il me semble être extrêmement délicat d'aller vers ce modèle en l'absence d'un souverain. C'est pourquoi tantôt j'ai parlé du projet politique, c'est-à-dire d'un projet fédéral. Il me semble extrêmement délicat d'y aller. Qui jouera le rôle que joue aujourd'hui l'Allemagne? Ce n'est certainement pas le Nigeria qui a les problèmes que nous savons, et je crois que le précédent orateur l'a rappelé. Et nous ne pouvons pas prendre le risque d'aller, de sortir d'une monnaie critiquée pour son manque de souveraineté, pour tomber vers une situation beaucoup plus dramatique, avec moins de garanties que ce qu'on peut avoir avec la France, quelles que soient les critiques que nous formulons par ailleurs. Alors, la seconde zone, c'est la zone UEMOA, qui nous concerne particulièrement, qui regroupe les 8 pays que nous avons ensemble et qui ont en commun l'usage de la langue française et le même héritage colonial. Ces pays ont bâti un substrat a priori exogène, une union économique et monétaire soutenue par des institutions, des critères et des mécanismes d'intégration. Les objectifs, ces objectifs de développement sont les mêmes que ceux que j'ai cités tantôt pour la CEDEAO. Au plan monétaire, la zone UEMOA tient une monnaie unique à ses États membres, le franc CFA, devenu ECO, co-géré avec l'ancienne puissance coloniale.
coopération qui repose sur les quatre fondamentaux, les quatre principes fondamentaux que nous connaissons: garantie de convertibilité, fixité de la parité, libre transférabilité, centralisation des réserves au niveau du trésor français. Mais cette monnaie répond-elle également aux impératifs de développement de l'Afrique de l'Ouest? On a des impératifs de développement. Je rappelle que la thématique, c'est quelle monnaie pour quel développement de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que cette monnaie répond aux impératifs de développement de l'Afrique de l'Ouest? On nous dit que la centralisation des réserves au trésor français est quelque chose d'obligatoire, puisque la France est garante. Mais c'est un désaveu par rapport à notre souveraineté, 60 ans après les indépendances. D'autant que nous savons que la France n'a jamais, en réalité, jamais réellement garanti notre monnaie, mais que nous le faisons nous-mêmes. Au-delà, le compte d'opération permet à la France d'avoir un contrôle absolu. Et c'est ça la réalité sur nos opérations commerciales et un moins de pression sur les dirigeants récalcitrants. Je crois que le président Laurent Gbagbo l'a éprouvé en 2011 parce que il y a cet outil qui permet d'associer les dirigeants récalcitrants. Même si l'accord d'Abidjan du 21 décembre 2019 a prévu la fin de la centralisation des réserves de change pour les États de l'UEMOA, qu'est-ce que ça change fondamentalement? Et je crois que je poserai cette question aux spécialistes parce qu'on a l'impression que c'est simplement un changement de ligne. Peut-être le doyen Zinsou ou d'autres me donnent la réponse. Un changement de ligne du Trésor français et donc du contribuable français vers la Banque de France. La libre transférabilité, limitée aux opérateurs français, accorde une facilité indue à ceux-ci, et cette libre transférabilité, couplée à d'autres instruments, notamment les conventions fiscales de non-double imposition, mais également l'APE éventuelle, constitue l'arsenal de mise sous coupe réglée de nos économies. Enfin, on nous explique qu'en optant pour un taux de change fixe, et donc pour une monnaie forte, plus qu'arrimée à l'euro, les pays africains concernés expriment clairement une préférence pour la stabilité. Curieuse stabilité quand même, parce que notre stabilité, nous l'assurons nous-mêmes par nos propres réserves, sous peine de dévaluation si elle baisse en deçà du ratio convenu. On me dira que cela a changé avec la nouvelle réforme, mais nous serons toujours tenus, dans le cadre des autres éléments, des autres principes, de respecter ce minimum-là. Mais nous considérons qu'au contraire, l'instrument monétaire qu'on considère comme étant le seul instrument qu'on ne peut pas transférer. Après l'indépendance, nous avons dit, vous êtes libre de définir toutes vos politiques, politique de santé, politique agricole, politique fiscale, politique éducative. Toutes les politiques, vous êtes libre de les définir par vous-même, par vos gouvernants. Mais vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas suffisamment responsable pour assumer la gestion d'une monnaie. Pour la simple raison que vous serez amené peut-être à en faire un instrument dont vous allez recourir plus que de normes. Vous allez peut-être émettre énormément, vous allez créer l'inflation, ainsi de suite. Nous considérons qu'effectivement, c'est peut-être ce paternalisme qui a créé l'irresponsabilité de nos élites politiques et que une mauvaise utilisation de cet instrument monétaire, avec les conséquences que cela engendrerait en termes d'inflation, serait le plus grand risque encouru par ces élites politiques pour les amener à beaucoup plus de rigueur par rapport à la stabilité même de leur pouvoir. Il est clair aussi que le choix qui est fait est un choix, comme l'a dit le rapport d'ailleurs, au profit du consommateur par l'objectif de maîtrise de l'inflation, optant résolument pour un déficit commercial chronique. Il est fait surtout au détriment de toute politique d'industrialisation. Or, comme je l'ai rappelé, les objectifs de développement tels qu'on les a énumérés sont fondamentalement axés autour de l'industrialisation. Répondre à la question, est-ce que cette monnaie nous permet de satisfaire cet objectif? C'est non, parce qu'on a fait le choix d'une stabilité privilégiant
le consommateur, les importations, ainsi de suite, au détriment du consommateur, au détriment du moins de nos exportations de matières premières, mais également au détriment de nos politiques d'industrialisation, au détriment de l'investisseur dont les taux d'intérêt très élevés subis sont le prix à payer pour le maintien de la parité. Toutes choses qui sont diamétralement contraires aux objectifs de développement annoncés. Alors, si je dois répondre à partir de tout ça à la question, je considère que le franc CFA éco, tel qu'il se présente, n'est pas la monnaie qu'il nous faut pour réaliser nos objectifs de développement. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'opposer ces impératifs, d'avoir à choisir entre ces impératifs. Aucune politique de développement n'est réellement possible, en réalité, à notre avis, s'il occulte le levier monétaire à côté des autres leviers, notamment budgétaires, dans le cadre du policy mix. Or, actuellement, nous sommes privés de ce policy mix parce que nous n'avons pas la possibilité de développer une politique monétaire. Souvent, j'entends dire qu'on fait de mauvaises critiques au franc CFA par rapport à la flexibilité. Parce que les présidents réunis avec le gouverneur de la Banque centrale ont la possibilité de revoir la parité à tout moment. Mais nous parlons ici de flexibilité qui nous permet, en temps réel et de manière permanente, de nous ajuster et de pouvoir supporter les chocs. On ne parle pas d'un constat qui peut subvenir tous les deux ans, tous les trois ans et qui nous amène à dire nous allons dévaluer. Nous avons besoin de l'instrument monétaire comme tout autre instrument, l'instrument budgétaire, mais que ce soit un instrument permanent. Donc, mais quand on analyse tous les arguments qui sont avancés par les pro-CFA, ça se résume en une phrase. Ce qu'on semble nous dire, nous, c'est qu'il ne faut surtout pas confier l'instrument monétaire aux élites politiques africaines, car ils sont simplement irresponsables. Ça se limite à ça. Ils sont irresponsables à gérer une monnaie parce qu'ils seraient tentés de rapidement entamer toutes les réserves. Ils seraient tentés d'exagérer avec la planche à billets pour combler leurs carences par ailleurs sur les autres politiques publiques. Nous considérons que s'il est vrai que avec tout ce qui se passe avec nos autorités gouvernementales du moins, tout ce qui se passe en termes de gestion de nos ressources naturelles, en termes de gestion de nos ressources budgétaires, en termes de gestion de nos ressources fiscales, où on peut se permettre d'accorder des exonérations à tout moment ou d'annuler des dettes fiscales à tout va, avec tout ce qui se passe dans tous les autres secteurs, il y a de quoi nourrir ces inquiétudes-là et nous les partageons avec tout le monde. Mais nous sommes venus dans ce débat à Lomé pour vous dire que nous, en tout cas, la génération que nous représentons, elle n'est pas une génération d'âge, elle transcende les âges. C'est une manière de voir et de concevoir. Nous n'avons pas ce complexe d'infériorité et de compétence. Nous refusons d'être ces majeurs non émancipés qu'il faut avoir toujours sous tutelle. On nous parle souvent des pays africains qui ont leur monnaie, souvent. On nous parle beaucoup des pays africains qui ont leur monnaie propre et qui sont dans des difficultés. Mais on ne parle pas beaucoup de ceux qui, aujourd'hui, se portent très bien avec leur monnaie, que ce soit en Afrique du Nord ou même en Afrique noire. Donc, je pense que nous en appelons à un renouvellement, à une renaissance doctrinale, comme disait l'autre, qui doit considérer tous les leviers budgétaires comme monétaires, tous ces leviers comme des instruments souverains de l'État, de nos États, qui doivent servir exclusivement à la réalisation de nos objectifs de développement. Après, le débat technique sur est-ce que ça doit être un instrument de planification de développement ou de transformation structurelle de l'économie, est-ce que ça doit être un instrument de planification du financement des besoins en biens et services publics pour appuyer les secteurs privés national, ou est-ce que ça doit être mixte? Ce débat-là, il peut être ouvert et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous sommes disposés à vous écouter tous, vous les techniciens de ces questions-là, mais nous tenons à réitérer, je le dis encore une fois,
que tous ces leviers-là doivent être des instruments souverains de l'État qui doivent servir exclusivement à la réalisation des objectifs de développement. Donc, nous sommes avec vous à Lomé pour dire que nous ne sommes plus disposés à être sous la coupe de personne, de qui que ce soit. Ce n'est pas de l'orgueil mal placé, le terme est revenu tout à l'heure, c'est de la dignité patriotique, adossée à un examen lucide et documenté des facteurs. Soit on est indépendant, soit on ne l'est pas. Soit on marche par nous-mêmes, soit on ne mérite pas d'être indépendant. C'est vrai que l'Afrique est à la croisée des chemins. Les yeux du monde entier sont rivés sur elle. Probable, l'Afrique est la probable unique locomotive de la croissance mondiale des prochaines décennies. Cela se fera par l'Afrique elle-même, avec le monde, c'est vrai, ou alors, comme par le passé, ça se fera par le monde.